Bonjour toi qui regardes cette vidéo. Rejoins la team Persil, bientôt 1 million d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Incroyable, regardez-moi ça. On va ouvrir cette belle boîte. Oh là là. Oh, là, on a de vrais tenders. Regardez-moi cette panure, on voit les petites herbes là. Qui veut tester? Mes chers Persil, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, le mercredi à 17h, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons déguster un nouveau restaurant. Vous le connaissez, c'est le restaurant de Fast Good Cuisine. Voilà, Fast Good Cuisine a ouvert le Pépé Chicken. C'est le restaurant. Il a fait un petit peu un storytelling avec son grand-père et ça remonte à son enfance. Et justement, là, c'est les saveurs de son enfance, le restaurant, le Pépé Chicken. Et justement, je me suis dit, autant tester le Pépé Chicken, autant faire une petite vidéo dégustation, autant faire un petit truc divertissement. Pour le moment, je n'ai pas encore vu Valouz faire une dégustation de Pépé Chicken. Je suis novateur. J'ai un petit concept. Bon, il y a eu déjà plein de vidéos. Mais moi, je la fais avant Valouz, avant des gros youtubeurs, vous voyez, ça fait plaisir. On va premièrement commencer, voilà. On va premièrement commencer, voici le sac, c'est le Pépé Chicken, Fast Good Cuisine. Il y a le sac et tout, et c'est très très bien. Là, je peux vous montrer ceci parce que il n'y a pas mon adresse, voilà. En tout cas, c'est vraiment super, il y a un beau packaging. Après, justement, ça coûte un peu plus cher qu'un restaurant normal, mais c'est peut-être des burgers de qualité, des bons produits, je ne sais pas, je vais tester tout ça. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo dégustation. Et je suis fier, c'est ma première vidéo dégustation. Allez, on va déballer tout ça. Regardez. Ah, on va tout détruire. Ne jamais ouvrir un sac comme je le fais. Il y a des agrafes, je fais plein de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ah ouais! Ah ouais, ouais! Regardez. Alors, c'est bien présenté. J'ai la petite serviette Fast Good Cuisine, enfin voilà, Pépé Chicken. Et moi je trouve que c'est vraiment bien brandé, vous voyez, il y a le logo de partout, il y a la marque de partout. Comme ça permet à ceux qui ne connaissent pas Fast Good Cuisine, ni même le restaurant, de connaître la marque et justement de se faire connaître par le bouche à oreille et tout. Bon, alors sans surprise, j'ai pris une valeur sûre. Bon, c'est pas très recommandé, mais un petit coca, voilà, ça c'est une petite valeur sûre. Oh, génial! J'ai la sauce curry barbecue. Voilà, parce qu'il n'y avait pas la sauce originale normale, il n'y en avait plus, rupture de stock. Mais on va goûter tout ça, ça va être pas mal. Et là, j'ai la petite boîte. Enfin, la petite boîte. La petite boîte, elle est quand même sympathique. Ah ouais, et en vrai, elle est stylée. Elle est stylée, regardez. Je vous montre la petite boîte, elle est stylée. Là, il y a les flammes, on voit ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Il y a des frites et tout, on voit un peu. Là, le packaging, il est stylé Pépé Burger et tout. Moi, je trouve ça stylé. Là, il y a le petit code barre. Mais en vrai, je trouve ça stylé. On va ouvrir tout ça. Ah ouais. Et là, ça se présente justement comme ça à l'intérieur. Là, il y a le burger, les frites. C'est vraiment top. J'aime bien comme c'est fait. C'est original. On va faire un petit truc. C'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas mauvais, c'est croustillant, c'est pas trop salé, c'est vraiment bon en vrai. Ça, c'est les frites normales. C'est vraiment top. Seule chose que je n'ai pas prise, c'est les... comment on appelle ça? Pas les wings, mais les trucs de poulet. Mais si vous voulez, si vous êtes présent sur cette vidéo, si vous mettez un maximum de pouces bleus, peut-être que je vous referai une vidéo dégustation de Pépé Chicken, mais avec les trucs de poulet. Et là, ça peut être bien, je sais pas, au moins ça fait une autre vidéo dégustation, ça peut être cool. Ça, c'est l'emballage du burger, et c'est marrant parce que dessous le burger, regardez, dessous le burger, il y avait un petit truc comme ça. Voilà, et ça, c'est assez marrant, vous voyez, je m'y attendais pas. J'ai fait une découverte avec le papier au fond de la boîte. Il est brandé à l'effigie de la marque, donc Pépé Chicken.
Mais il sert à prendre les frites, voilà, on peut les prendre comme ça. Bon, je pense pas que ce soit l'utilité, mais on peut transporter le papier, on peut transporter les frites, voilà. C'est. Enfin, j'avais pas conçu ça de la même manière, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça, mais c'est peut-être une utilité qui a été pensée, enfin, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est vraiment fort. Le branding, le fait qu'il y ait la marque de partout, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment fort et ça, au top. On va découvrir le burger. Je pensais que c'était genre un papier aluminium, mais finalement, c'est un papier aluminium qui est beaucoup, beaucoup plus léger. Ça, c'est assez marrant. Ah ouais, par contre, le burger est vraiment mastoc. C'est pas les petits burgers de. Ah ouais, c'est quelque chose, regardez. Ça, c'est vraiment un burger, il est mastoc en vrai. Je reprends le terme de Valouze, mais là, il est mastoc le burger. C'est un vrai, vrai burger. Hein. C'est quelque chose quand même. Là, il est dégoulinant de sauce. Il est appétissant. Il n'est plus trop, trop chaud. Mais c'est appétissant tout ça. On va tester tout ça. Je sais pas comment je vais attaquer. Ah ouais, mais là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour attaquer ce burger-là. Waouh! Et d'ailleurs, je viens de voir, la serviette, elle est assez marrante parce que finalement, elle se déplie comme ça. C'est pas les serviettes comme un McDo. C'est un petit truc original, bon, c'est cool. Ok, par contre, ah, comment je vais manger ce burger là, c'est toute une question, hein. Ah, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, on va essayer de s'y prendre. On va essayer de taper un petit croc. Regardez, est-ce que vous êtes prêts? C'est vraiment croustillant. Ah ouais, le poulet, il est. Le poulet, il a quelque chose, hein. Ah, vraiment. Je suis assez surpris. Et le pire, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même du. Bon, par contre, il est un peu parti en vrille, mon burger, là. Mais c'est du gros poulet, quand même, hein. C'est. Le burger est bien garni. Je crois qu'à l'unité, il vaut 10,90. Mais c'est vraiment bien, c'est un gros burger, il y a bon goût, j'aime bien la sauce. Bon, il n'est plus très très chaud, mais ça c'est pas grave. Mais impressionnant, hein. Si vous avez faim, je pense que vous avez de quoi vous nourrir à travers ce burger. Par contre, il est tout un peu difficile à manger, enfin un peu beaucoup difficile à manger. Il y a des saveurs, la sauce est vraiment bonne, elle donne une fraîcheur au burger. La salade, elle est bonne, c'est bon. Mais par contre, le poulet, il a quelque chose. Moi, je trouve que honnêtement, le poulet, il est particulier. Il y a du bon fromage. Je sais pas, je crois que ça doit être du cheddar. C'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais très difficile à manger. Regardez, pour preuve, regardez. Bon, mon burger là, il ressemble plus à rien. Là, c'est hyper chaud à manger. Bon, après, j'ai le micro devant moi, donc forcément, ça n'aide pas. Mais compliqué à manger, je trouve. Je trouve que c'est plutôt compliqué à manger. Il y a beaucoup de choses dans le burger, c'est peut-être pour ça que c'est pas facile à manger. J'ai qu'une serviette. Vous voyez, moi, je sais pas trop manger. J'ai qu'une serviette. Là, ça me pose problème quand même. Heureusement, à mes côtés, j'ai des mouchoirs. Ça me sauve la vie, honnêtement, regardez. Des petits mouchoirs là, ça me sauve la vie. Faut toujours avoir. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de serviettes, tu vois. Si Fast Good Cuisine passe par là, n'hésite pas à mettre davantage de serviettes. C'est toujours mieux. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ne sachant pas manger. Et voilà, pense à nous, s'il te plaît. Voilà. Et regardez-moi ces bonnes frites là. C'est parfait. C'est parfait. Honnêtement, je suis satisfait. Je suis satisfait. On va essayer de retaper un gros croc. Mon burger, il est parti en vrille, mais je l'ai pas mangé, c'est pour ça. Bon, là, mon burger ne ressemble plus à rien. Mais clairement, c'est pas facile à manger. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon,
je n'en serai pas à cette étape. Honnêtement, c'est très bon. C'est très bon. Il y a une chose qu'on n'a pas goûtée. Enfin, je crois que c'est la même sauce que dans le burger. Mais la sauce, on va la goûter. On va prendre une petite frite. On va la tremper dans la sauce. C'est la sauce barbecue. Je sais pas si vous entendez, mais le poulet est vraiment croustillant. C'est vraiment quelque chose. Sans faire la promotion, je suis pas payé pour avoir fait ma commande, malheureusement. Mais au moins, je suis honnête sur ce que je pense. On va tester cette petite sauce. Alors, c'est marrant parce que... Est-ce que vous voyez la sauce? L'aspect de la sauce... Je crois que c'est une sauce curry ou tomate ou une chose comme ça. Mais c'est assez marrant parce que la sauce est marron, mais on sent, je sais pas, comme de la tomate. Bon, je suis pas très fort en cuisine, mais c'est drôle. D'accord, je sais pas comment c'est fait, mais... Ah, c'est assez drôle. Non, je sais pas comment décrire ça. La sauce, elle est... Je sais pas trop comment décrire ça. C'est plutôt particulier. C'est marrant parce qu'elle est rafraîchissante, elle est très... Enfin, elle est froide, mais quand vous... Elle est rafraîchissante, je sais pas trop comment dire ça. C'est... On dirait qu'il y a de la tomate dedans alors que... C'est trop bizarre, enfin... Ah, je sais pas trop comment vous transmettre ça. Attendez, regardez. Je sais pas trop comment dire ça, mais... Mais la sauce est bonne, honnêtement. La sauce est bonne. C'est surprenant. C'est surprenant. La sauce est bonne. Et vous voyez, en vrai, on pourrait se dire, ouais, y a pas beaucoup de sauce et tout. Je suis désolé, mais là, il y a énormément de sauce. Et c'est très cool. Parce que dans les sauces au McDo, sans être méchant vers le McDo, j'ai travaillé à McDo avant. Mais vous n'avez pas la même quantité de sauce dans les Creamy de luxe. Hein. Dans les Creamy de luxe, là, vous avez 3 Creamy de luxe à l'intérieur, voire même plus. Là, c'est vraiment une bonne sauce. Je trouve que ça vaut le coup. Et bon, je crois que... Bon, là, elle est dans le menu. La sauce, elle est incluse dedans. Je crois que sinon, c'est à l'unité et c'est 1 € les sauces. Mais ça vaut le coup, honnêtement. Ça vaut le coup. C'est un truc à tester. C'est un truc à tester. Je sais pas si vous connaissez Nouvelle Boisson. C'est pas de l'Evian. Petite référence à une vidéo de la chaîne, mais c'est du coca. Là, vraiment, s'il y a mon dentiste ou un dentiste qui passe par là, il serait là affolé en mode... Bon, c'est pas grave, on prend du sucre, c'est du coca. Ne stressez pas, respirez. Partagez, likez, commentez. Vous le savez, ça me ferait plaisir, ça aide au développement de la chaîne YouTube. Et sur ce, moi, les persils, je vous dis... Peace!